François Hollande et Angela Merkel ont entamé les commémorations du centenaire de la bataille de Verdun. Le président français et la chancelière allemande se sont retrouvés en fin de matinée au cimetière allemand de Consenvoie dans la Meuse. Plus de 11 000 soldats allemands y sont enterrés. La journée est placée sous le signe de l'Europe et de la jeunesse. Les deux dirigeants vont ensuite se rendre à Verdun où les rejoindront les présidents de la Commission et du Parlement européen. Le point d'orgue se déroulera dans la nécropole de Douaumont. Le glas sonnera en mémoire d'une bataille qui fit de février à décembre 1916 plus de 300 000 victimes dans les deux camps.